C'est la marée d'équinoxe, année 2015, avec un coefficient autour de 117. Et nous allons découvrir le banc des Hermelles. Ce banc est situé à 5-6 km du rivage. Nous allons partir de la chapelle Sainte-Anne. Le vent est assez frais et nous accompagnons des pêcheurs à pied. L'eau nous a quittés il y a quelques heures. Nous sommes à peu près à 3 heures avant la marée basse. Derrière nous, quelques autres pêcheurs. Nous allons traverser quelques petits ruisseaux avec parfois un courant assez fort. Certains utilisent des tracteurs qui tirent des petits chariots, solution confortable pour éviter les 5-6 kilomètres à faire à pied. Nous allons suivre cette dame en blanc, ce qui nous mène à une ancienne pêcherie, très astucieuse, solide. Malheureusement, nous ne verrons pas de poisson. Au loin, on distingue le Mont Saint-Michel. On pourra voir également les côtes normandes jusqu'à Carole. On aperçoit d'ailleurs les cabines. Le banc des Hermelles est protégé. Ah, voici un touriste à bicyclette. Certains en effet emploient la bicyclette. Donc les tracteurs s'arrêtent bien avant le banc. Là, on peut remarquer le courant qui force sur le poteau. Voici le banc des Hermelles. C'est une surface environ de 250 hectares. Au juste, que sont les Hermelles? Eh bien, ce sont des petits vers dits tubicoles qui vivent en colonie. Ils construisent des tubes les uns contre les autres, ce qui forme un récif. Ces vers, pour se nourrir, vont filtrer l'eau. C'est un signe de bonne santé pour la baie du Mont-Saint-Michel, qui est un des rares lieux où l'on peut voir de tels récifs. On en verra aussi un peu plus loin, donc sur Carole, sur Champeaux. Voilà, nous allons penser au retour, car la mer monte et remonte très vite. Nous ne pêchons pas. Et d'ailleurs, les gens ne pêchent pas sur ce banc des Hermelles. Ils pêchent autour. On ne casse pas les teignes. Et voici le retour. On revient sur nos pas. Et on remercie cette dame en blanc de nous avoir servi de guide.